Hey yo les gars, on se voit dans la vidéo sur Coldor. Alors on va lancer. Non! Oh, ça va s'écrire. Ah, 27. Oh merde, on va attendre longtemps les gars. Bon voilà, c'est juste pour vous prévenir que voilà, je reprends Coldor comme vous le savez. À partir de maintenant, je reprends Coldor car j'aime Coldor. Hop. C'est quoi ce numéro? Ok, hop, on va faire ça. On va aller là. Deux secondes, hein. Je suis juste allé sur YouTube Studio. J'ai vu quelque chose qui m'a pas plu. Ok, ma dernière vidéo a été démonétisée. D'accord, je vais perdre de l'argent. Dirais, Anna. Ok. Pourquoi a été démonétisée? Plagiat de vidéo, d'accord. C'est vrai qu'il y a un mec qui m'a plagié pour plagiat, d'accord. On peut plagier une vidéo sur un jeu vidéo, quoi. Voilà, bah c'est normal, oui, bien sûr. Il a plagié parce qu'à ce qui paraît, j'aurais recopié sa partie. Bien sûr, je peux recopier sa partie, bien sûr. Je rappelle, excuse-moi, mais bon. J'ai le seum, les gars. C'est qui, lui? Samuel YouTube. Je connais pas. Ah si, je sais que c'est qui. Là, je rigole, je sais que c'est qui. Hein. C'est mon pote Samuel, là, je sais que c'est qui. C'est Godzilla, ah, si, pour ceux qui savent pas. Alors, on va attendre que ça se lance. Une minute pour trouver une partie. Une minute. N'oubliez pas, vous pouvez toujours m'inviter. On repartit. N'oubliez pas mon ami, je joue toujours à Cold War. Et Modern Warfare, j'ai aussi le jeu, et Vanguard aussi, je l'ai si ça intéresse quelqu'un. Voilà. J'ai aussi le jeu Verdun, même si je joue pas beaucoup parce que c'est un peu de la merde quoi. Après cette partie-là, bon, j'aime bien ce jeu, mais bon, c'est pas très. Voilà quoi, les graphismes sont un peu ragoûtants. Et oui, pour ceux qui disent que ma. C'est ça, je crois que c'est une MP. Il me dit, elle mettrait être là. Je te dis qu'elle est moche. Elle est très bien, d'accord? Elle est très belle, je la trouve très belle. Et vous me dites, pourquoi t'as pas de crosse? Tu perds de la précision quand t'as pas de crosse. Bah, au contraire, je gagne la précision quand t'as pas de crosse. Vous pouvez faire le test. Non, je crois que c'est pas la précision que je gagne, je crois que c'est de la cadence. Je sais plus quelle chose que je gagne. Je sais que je gagne. Et vu comment elle est belle. Mais elle est belle. On va attendre, hein. On trouve des gens. Je suis pas en vocal jeu parce que ça me saoule. Je suis en vocal normal. N'y a pas mon pote Adam qui est connecté. C'est dommage. Godzilla GTA. Pourquoi il fait quoi? Il fait avoir plus de niveau que moi qui joue moins que moi. Je l'invite. Ah bah y a pas le jeu, ça règle vite en fait. Limite de joueurs. Deux joueurs. Ouais, je peux le modifier. Je peux le modifier? Ah ouais, on peut mettre des équipes de 4, vous avez vu? Eh attends, limite de joueurs, je peux faire des combats de 1. Techniquement. Attends, ouais, je crois que je peux faire ça, non? Chat vocal, chat vocal. Ok. Ah, on peut jouer contre une seule personne. Ok, je crois que je vais le faire. 3 contre 3, ça me plaît, ça me bien. 4 contre 4. Hello. Il n'y a pas de vocal. Pour ceux qui veulent, comment t'avais pour gagner autant, comment on fait pour gagner plusieurs niveaux dans le jeu? Bah, si vous avez Modern Warfare, vous prenez Modern Warfare, vous tryhardez sur Modern Warfare, et tant que Modern Warfare et Cold War sont connectés, vous pouvez jouer. Tous les niveaux de Modern Warfare peuvent être connectés en fait sur Cold War, voilà. Hop. Et sur Modern Warfare, c'est plus facile de glow up en level parce que sur Modern Warfare, tu
peux. Les classements en fait sont par niveau, par comparé à Cold War, c'est pas par niveau, mais c'est juste parce que je sais pas. Cold War, je trouve qu'en fait c'est mal. Tu vois, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est mal réglé, on va dire. Tu peux tomber contre des novices et à côté, bah, tu peux tomber sur des pros, quoi. C'est Cold War, c'est un peu mal fait. Que Modern Warfare, je trouve vraiment que quand t'es niveau 10, tu tombes sur entre 1 et 30, je me rappelle bien. J'ai mes souvenirs, hein, c'est ça. Hein. Après, quand t'es au niveau. Attendez. Escarmouche. Le sort du monde libre est entre vos mains. Vous êtes notre dernier agent encore actif. Et préparez-vous au redéploiement. Ils sont déjà combien en face? On va rien dire, hein. L'entraînement est terminé. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Rendez-nous fiers. Capturez ce drapeau. Quoi? Relevez la tête et préparez-vous au redéploiement. Mais quoi? Montrez-leur comment la CIA traite ce genre de mission. Continuez sur votre lancée. Voilà. Bonne chance, soldats. Tout le pays compte sur vous. Merde. Merde. J'ai fait 0 kill. Il y a 3 kills, j'ai que 2 kills. Non. Je voulais jeter une grenade, moi. Là, t'es où? Ah ouais. Ah, il gère un peu. Ça va, il gère, il gère. Feu vert, feu vert. Feu rouge, feu rouge. Non! Pourquoi il n'y a pas utilisé des grenades? Rechargez vos armes, on y retourne. C'est moi, Zorel! Quoi, tu m'en veux? Voilà, c'est parfait! Non, elle est ouverte, ma fenêtre. Ah, mais il tue, il est pas de fenêtre. Pumba, dégage! Pumba, va t'arrêter. Considérez tous les contacts comme hostiles. Ne soyez pas trop confiant. Vous devez répéter cette performance. Vous pouvez attaquer l'ennemi.
Oh merde. Ne soyez pas trop confiant. Vous devez répéter cette performance. Vous voulez, en fait, tu vois, j'ai... Ah, c'est dommage. Putain, mais il fait trop de kills, le mec. Il met 0 kill. Bon, on a eu un bel roquette passé, c'était magnifique. Bon, allez. Équipe de la CIA, défendez notre liberté. Tout repose sur vous. Merde. Rendez-nous fiers. Mais non! Rechargez vos armes, on y retourne. Oh putain, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum. J'ai fait un kill, putain. C'est vrai que je l'entendais de l'autre côté, moi, c'est... Oh. La mission est lancée. Faites tomber le marteau. Rendez-nous fiers. Voilà. Nickel. Vous représentez la maison. Je veux un travail rapide et efficace. Mais putain, il a pris 0 balle. Ah, putain, il lui active la musique, ça fait chier. Pourquoi tu s'habiterais? Pourquoi tu le pistolet? Ah, le fusil. Bon, vas-y, frérot. Putain. Oh, vas-y, c'est mort. Allez, c'est mort. Équipe de la CIA, défendez notre liberté. Mais quoi? Jetez l'éponge. Non, vas-y, nique ta mère. Vas-y, c'est bon. Frère, j'ai des vraies armes. Ils sont chocs, leur sniper de merde, là. Putain, mettez un vrai viseur. Eh, frère, je... Ah, vas-y. Protocole Kazevac. Ça ne sert à rien de mourir ici. Ouais, ta gueule. Putain, mais je te jure. Ah, j'en ai ras-le-bol de ce... Ah, on fout ta défaite de merde. Ah, j'ai perdu, je sais pas, vas-y, c'est bon. Est-ce que je m'en fous, là, de ton truc de merde? Ah non, vas-y. Ah, c'est bon. Ah merde, j'aurais dû faire réessayer. Vas-y, j'ai le seum. J'ai le seum. J'avais toujours 2-3 fois, on sait jamais.
Ah mais c'est lui l'abonné X-Ray que je parlais là. Samuel, si tu vois. C'est lui. X-Ray truc. Voilà. J'espère qu'il n'est pas dans mon équipe parce que la vidéo, je le retiens. Donc, si c'est mon équipe, je retourne en vocal normal, les gars. Ah non. Voilà, voilà c'est bon. Comme ça, on l'entendra pas. S'il va se battre au coup de poing, la vidéo je le blague. Je le signale. Faites la fierté de l'Union soviétique. Vas-y! Mais il fait quoi l'autre gogol? Vas-y lui, qu'est-ce qu'il fout? Eh vas-y frère. Mais il est con, oui. Il fait quoi? Allez, je suis tombé avec le roi des campeurs. Putain, hein, je tombe avec un roi des campeurs, il campe. Pourquoi je tombe que sur des mecs qui campent de merde? Putain. Je comprends jamais pourquoi cette arme elle one shot pas dans la tête mais dans la cuisse elle one shot, je comprends jamais. Le temps est limité, au boulot. C'était pas un coup de chance. Ah. Le secrétariat vous regarde. Ne les décevez pas.
Montrez aux impérialistes que c'était pas un coup de chance. Voilà. Éliminez toutes les menaces. Loup solitaire, combattez pour la victoire. Ah merde! Mais vous êtes pseudo! Putain, j'ai le seum! Je suis désolé! Mais regardez! Mais je... Vraiment! Ça, faut vraiment que j'ai activé. Faut vraiment que j'ai activé moi la visite automatique quand je suis en train de des mecs qui ont la visite automatique. Prouvez votre supériorité! Ah, j'ai un pote qui veut pas le faire. Frérot, y a full vie. Oh, il peut pas faire ça. Il peut pas mourir. Mais qu'est-ce qu'il est. Derrière lui, on l'a tout vu. Mais la vie, ils sont chiants, les mecs. Putain, faut pas être con, putain. Putain, en fait, le mec, frérot, il sait pas jouer, il campe. C'est quoi ça, on dirait que Samuel, putain. Eh, Samuel, j'ai pas, non, je campe pas. Arrête, tu campes toujours les escaliers. Putain, vas-y. Il joue comme Samuel, il casse les couilles, mec. Pourquoi il campe? Pourquoi il campe? Pourquoi il campe? Il est full vie. Vas-y, il l'a vu. Ah là, il a pas tiré premier, mais qu'est-ce qu'il est gogol ce mec? Qu'est-ce qu'il est gogol? La vie de l'homme, il est gogol. Regarde-le. Ah vas-y, c'est le sniper de merde avec le viseur de merde, c'est ça. Ah non, c'est ça bon sniper. Opérateur des Spetsnaz, feu à volonté. Putain. Vas-y frérot, il va camper lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il est con. Souvenez-vous de cette défaite. Il est con. Il est con. Vas-y. Vas-y, il me saoule. Il me saoule. Il me saoule. Il me saoule. Pour la mère patrie. Loup solitaire, combattez pour la victoire. Vas-y, j'en ai le bol, tomber sur des Google comme ça. Je joue pas en fait, c'est pas joué. Regarde, vas-y, c'est moi et l'autre frérot, tu vas te faire foutu. Et a dû quitter comme une grosse pute. Ouais, vas-y, c'est bon frère, ça me casse la tête. Putain, hein. Je m'en bats les couilles là, putain de truc de merde, putain. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Ça saoule.
Ah vas-y, j'en ai ras-le-bol. La vie, j'en ai ras-le-bol. Putain. En tout cas, il est plus fort que Samuel, alors ça va, mais bon. Et dites pas, t'es un bâtard. Non, je suis pas un bâtard, je suis réaliste. Je vous jure que Samuel, lui, sait pas jouer. Bien ici, je suis très doué. C'est toi qui sais pas jouer. Alors, je fais 4 fois plus de kills quand il est pas là. Sur Fortnite, je fais 4 fois plus de kills quand il est pas là. Je fais 4 fois plus de top 1 quand je suis en solo quand il est pas là. Sur Call of, c'est pareil. Il n'y a pas Call of Modern Warfare, il n'y a que Cold War. Il n'y a pas Vanguard. Il n'y a pas Hickman, il n'y a rien lui comme jeu. C'est... Si, y a plein de jeux, mais c'est pas des jeux que je joue, frérot. À quoi ça change de... Il joue à FIFA. Toute la journée, c'est FIFA, 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 FIFA. Moi, j'aime bien FIFA, jouer à FIFA. J'ai FIFA 22, j'ai FIFA 21, FIFA 19, FIFA 18, et j'aime pas. Hein. C'est des jeux de merde. Ah, désolé les amis pour ceux qui aiment bien FIFA, mais moi j'aime pas FIFA personnellement. Voilà, hein. Bah, je pense que tout le monde est d'accord que FIFA, ouais, à l'époque c'était bien, et maintenant. Tombe sur des mecs tryhard, maintenant faut avoir des cartes. À l'époque t'avais pas de cartes, tu pouvais prendre toutes les personnes ce que tu voulais. Vraiment débile, là, ils ont fait leur système, faut avoir des cartes et tout, c'est. C'est débile. Rien à se dire, mais non, mais c'est encore mieux parce que là maintenant tu dois gagner des matchs pour avoir des personnages. Bah ouais, bah alors, non, non, c'est complètement. Moi je trouve ça débile. C'est. Mais bon. Après, il y aura toujours des cons pour manger de la merde. Hein. Écoutez. Oh, allez. Ce bateau de pêche électrique paralyse des centaines de poissons. Si cette mé... Il est vraiment en train de faire une serrure avec un boulon. Je voudrais bien voir la gueule de sa porte. S'il fait sa clé en serre avec un boulon, sa porte il l'a fait avec quoi? Avec l'USB? Là, non, c'est pas possible. Ah non, c'est pas une clé, c'est une serrure. Ah, ok, bon. C'est pas pour sa porte, c'est pour une serrure. En fait, c'est pour un cadenas, en fait, c'est préféré. Ok, bon, bah, admettons. Qui nous sommes pour juger, hein? Ouh. Ça va 3 heures pour chercher une game, après je vais tomber sur un Google. Qui sera pas joué. Je comprends pas le principe. Qu'est-ce qu'il entend dire? Il y a une dalle de sa douche que j'ai cassée. Alors il a agrandi 4 fois le trou. Non, c'est moche. Ah, c'est moche. Je veux pas juger parce qu'il y a des gens qui font ça, mais c'est. Si, si, si. Je suis en train de totalement juger. Et les gars, déjà j'ai vu une vidéo d'un Mixem là qui s'évade d'un mur en glace, d'une prison en glace sur le bois et tout ça. J'ai envie de le faire en vrai. Après tout le monde dira c'est du plagiat. Ah mais j'ai envie de le faire. Faut que je m'évade. Enfin, faut que je trouve un placement de produit qui voudrait faire ça. Faudra que je vais chercher des placements de produits. Faut que je commence à faire du montage et tout. Oh.
Ah ouais, ça va être chaud. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que je commence à faire du montage. Oh, en vrai, non, laisse tomber. Après, si, quoi que, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a déjà proposé des placements de produits? Mais bon, c'est des placements de produits qui m'intéressent très très peu, quoi. Par contre, c'est par exemple, il y aurait une marque de PC ah, qui fait des setups comme pour le setup de un coffre ou de un XM. Je dirais, bah voilà, quoi, l'entreprise là, s'il voudrait, non, en vrai, ça serait bien, tu vois. Ah, en vrai, moi, je cracherais pas dessus. Hein. Imaginez, un petit placement de produit pour avoir un PC ou quoi. La vie que pour ma gueule. Grave ça, vous me laissez 2, 3, 4, 5 mois pour bien l'essayer et tout ça. Voilà. Bah quoi, écoutez. Et après, je suis sûr qu'il n'y a aucune marque qui me regarde et bon, qui tente rien à rien. Faut tenter. Hein. Moi perso ça m'intéresserait hein. Faire un bon petit placement de produit et moi placement de produit pour 10 balles je le fais hein, rien à foutre je sais pas vraiment peut-être que je m'y mets je sais pas. Un petit placement de produit. Toi, j'ai une bonne excuse. Je suis un jeune youtubeur. Je cherche des gens. Et oh, tu vois, ça ferait de la pub pour eux et pour moi. Surtout pour moi, parce que voilà. Vous savez que j'avais postulé à l'époque pour faire le truc là, à la Mixem. J'avais postulé. Ils m'ont pas pris. De Pierre Cross aussi, je l'avais fait. J'ai pas été pris. J'ai le seum, mais totalement. J'aurais pu faire des vues en plus. Mais bon. Moi, ça aurait me prévenu, quoi. Après, le problème, c'est tant que la Redbox est à Angers, Roubaix, ça serait long. Hein. En train, putain, tous les jours. Oh, non, non, merci. Parce qu'après fallait habiter à côté d'Angers, fallait peut-être une stabilité longue, fallait déménager à Angers. Nanana. Après il dit vous s'arranger, tout ça, mais ouais, ça me ferait chier, tu vois. Et, en tout cas, on pourra tout dire, mais tous les gens que tu vois, je crois qu'il y a Yvan, il y a Étienne. Nous on préférait c'est Étienne. Et il y a Yvan, Étienne et Thomas. Thomas, j'ai déjà vu un de ses spectacles en vrai. Escarmouche. Je sais que c'est très peu intéressant hein, quand. Feu à volonté, donnez-leur un avant-goût de l'enfer. Ah, il a réussi. Montrez aux impérialistes que c'était pas un coup de chance. Voilà, c'est juste pour vous dire que ouais, en fait, à la base des bases, bah. J'avais même peur que ça passe à travers le truc blanc. Ah, il m'a appris quelque chose. En vrai, ça, moi, j'avais bien voulu participer à la Redbox. Vous êtes autorisé à tuer. Non! Comment c'est possible? Comment c'est possible? Montrez aux impérialistes que c'était pas un coup de chance. Ça cheat en face. Sûr. Comme évidemment, il est sorti au même moment. Oh, lance-roquette. Le temps est limité. Au boulot. Gagnez ou mourrez au combat.
Non. Ah, j'ai le seum. Ça aurait été beau, putain, ça aurait été beau. Oh putain. Le secrétariat vous regarde. Ne les décevez pas. Non. Ah, je l'avais pas vu. Ne vous en faites pas, camarade. Nous les vaincrons la prochaine fois. Éliminez toutes les menaces. Non! Yes! Bien joué. L'incendie a été interrompu. Continuez sur votre lancée. Non, juste vous dire que ouais, là-bas je vais postuler pour Amixem. Amixem, si je passe par là, non, c'est impossible. Putain! Souvenez-vous de cette défaite. Laissez-la inspirer notre prochaine fois. Ah, je voulais tuer son pote, Bah ouais, ça m'énerve. Spetsnaz, vous avez le feu vert. En avant. On va sur vous. Gagnez ou mourrez au combat. Mais putain, non! Ne vous en faites pas, camarade. Nous les vaincrons la prochaine fois. Fils de chien. J'avais pas prévu. Opérateur des Spetsnaz, feu à volonté. Tout repose sur vous. Gagnez ou mourrez au combat. Vas-y! Ne vous en faites pas, camarade. Frère, on dit que t'as fait une regarde. Je me suis pas l'ordre, il est pas mort. Putain. Pour la mère patrie. Vas-y! Vivre aucune balle, ça me saoule! Ah, j'ai eu un rush kit, c'est bon. Ah, hop, c'est bon, frère, c'est bon. Nice. J'attendais bien mieux de vous. Allez, hop, c'est bon. Ras le bol. GG. Jeu de merde. C'est bon, je vais tourner sur l'honneur phare, hein, c'est bon. Cold War, c'est bon. Allez, hop. A partir de la semaine prochaine, il y aura plus de Cold War. Je connais bien jouer sur l'honneur phare, c'est bon. Aucune chance de vous. Désengagez, puis quittez la zone. Oh. Je vous préviens, je m'en fous. Hop. Je vais arrêter là, c'est bon. Je vais installer mon Warfare, les gars. Bon, Vanguard, tiens, allez, je vais mettre sur Vanguard, je suis à Vanguard. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je suis le mois prochain. C'est bon, je m'attaque à Vanguard. Allez.